Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 49 de Stage 1 et nous allons parler aujourd'hui de Virtua Tennis 4. Donc c'est parti, on va y jouer. Je vous laisse seul la petite introduction qui est sympathique. Virtua Tennis 4. Et donc nous revoici Virtua Tennis 4. Donc comme son nom l'indique, on va jouer au tennis tout simplement. Allez, donc c'est parti, on va commencer tout de suite. On va faire un petit match tout basique. On va peut-être en faire un deuxième parce que ça va assez vite, c'est assez rapide. Ça se fait en 2 sets. Donc enfin ça dépend après, ça dépend comment on joue, mais normalement ça se fait en 2 sets. Gagnant, je sais, je connais pas, absolument pas les règles du tennis, donc voilà, on choisit l'emplacement, on peut choisir notre position, donc là je vais choisir mon personnage, donc je vais choisir, alors, qui va-t-on choisir? Gaël Monfils. Voilà, on va choisir le français, et notre adversaire ce sera, un peu au hasard, Laura Robson. Voilà, je sais absolument pas qui c'est, mais on l'a choisi, donc voilà, le petit chargement, voilà, c'est déjà chargé, c'est parti, on va pouvoir jouer. Donc le cours est aléatoire, c'est-à-dire qu'on peut tomber sur différents terrains, comme le tennis. Donc vous voyez, ils nous donnent le rebondissement, ils nous disent que c'est un terrain dur. Donc c'est à moi de servir, c'est parti, je sers. Donc c'est quelque chose de tout simple. Voilà, vous voyez un peu, hein, on se fait des passes. Alors moi j'ai 4 touches, j'ai W, X, C et V sur le clavier. Voilà, donc ça, je commence bien déjà. Donc ça fait différents coups. Alors après, je connais pas exactement le nom des coups, évidemment. Je sais juste à peu près ce qu'ils font. Et donc le but là-bas pour marquer des points, ça va être de perturber l'adversaire, comme au tennis, quoi, tout simplement. Et de le faire voyager de gauche à droite et de réagir très rapidement. Alors c'est vraiment l'enjeu suprême. Oula, j'ai fait pause, sans faire exprès. Voilà, hop. Oui, parce que je crois bien que la pause, c'est espace. Ils ont pas fait les trucs super bien. Hop là. Donc vous voyez, là j'en ai profité pour smasher. Donc j'ai fait un petit 30-0 pour l'instant. Pour l'instant, je me débrouille plutôt bien. Alors je vous dirais que sur mes parties précédentes, c'était pas non plus la joie. Donc là, j'ai de la chance, vous voyez. Là, c'était vraiment des ouvertures. Donc quand on reçoit la balle, donc on va dire qu'il faut se mettre à peu près là où elle va atterrir. On essaye de savoir. Après, en appuyant sur la touche, il se met tout de suite lui en position pour tirer. Et puis il fait ce qu'on lui a demandé. Par contre, à ce moment-là, au moment où il a bloqué et qu'il commence à tirer, à ce moment-là, on appuie sur les flèches, voilà, de gauche et de droite, pour savoir si on va tirer à gauche, à droite, et si on fait rien, bah, ça va tirer devant nous, quoi. Donc on peut sortir du terrain, là, hop, j'ai fait à droite. C'était un coup pas mal. Voilà, donc 1-7-0, pour l'instant ça se débrouille plutôt bien. Aïe. Alors on a changé de côté, hein. Donc normal, j'ai envie de vous dire normal. Donc là bon, on n'a pas eu un temps d'attente énorme. Hein. J'ai appuyé sur entrée, ça allait très vite. Hop là. Donc c'est pas le genre de jeu où on va s'ennuyer, franchement. Vous avez pas le temps de vous ennuyer parce que la balle, elle revient très très vite. Hop, ah bah là je viens de me croûter. En plus il me faut un replay de mon erreur, c'est super. Donc là c'était à mon adversaire sur ce set, c'est à mon adversaire de servir à chaque fois. Donc hop.
On va essayer de, voilà, de rattraper un peu le score. Donc 15 partout, c'est parti. Alors elle sert, alors elle fait des services. Je sais pas si ce robot, enfin si l'ordinateur a une stratégie au niveau des coups. Alors là, hop. Hop là. Adversaire en moins. Donc on se fait 30 à 15. On va essayer de refaire ça. Cet adversaire n'est pas très fort. Hein. Oh là là, 30 partout. Donc, elle sert. On va quand même pas se faire battre au deuxième set. Ça va pas faire la belle quand même. Hop là. Oh non, elle m'a mis un coup. Donc 40 à 30 pour elle. Allez. Donc c'est quelque chose qui est sportif au niveau des doigts parce que vous crispez sur le clavier en disant ah ça va peut-être tirer mieux. On reste appuyé, je suis sûr que j'ai abîmé mon clavier à faire ça. Hop là. Ah oui. Allez. Ah oui, j'ai fait un joli coup, c'était pas mal. Cet échange est infinissable. On ne va pas y arriver. Allez, donc voilà, le but, comme je vous dis, on l'a fait courir. Voilà, alors là, elle était à l'autre bout, c'était sûr. Elle pouvait pas la choper. Voilà. Quand ils vous font en ralenti déjà, c'est que ça va être un joli coup et... Donc là, c'est bon. On s'est fait un 40 partout. Hop là, et voilà. Mon fils, balle de match. Donc, je suis en avantage. Allez, un dernier coup et je gagne, on va dire. Il suffit que je marque mon point. Ah non ! Allez, égalité. Donc je retombe, pour ceux qui connaissent pas les règles du tennis, quand il n'y a pas 40 partout, si je marque un point de plus, je gagne le set. Mais là, comme on est 40-40, j'ai un avantage donc quand je marque mon point. Et donc il faut que j'en marque un deuxième pour gagner. Donc c'est tout simple, hein, c'est pas bien compliqué. Donc le but là, ça va être d'en aligner deux à la suite. Donc là, elle vient de prendre l'avantage. Ça veut dire que si elle marque le prochain coup, c'est moi qui perds. Voilà. Donc on va essayer de le marquer quand même. Voilà. Donc on retourne en égalité. Donc ça peut durer un moment, hein. J'ai déjà fait des parties, j'ai passé 10 minutes, donc on va essayer de pas passer 10 minutes. Mais j'ai passé 10 minutes à faire des égalités, à faire des avantages, égalité, avantage, égalité, avantage. Donc là voilà, je reprends l'avantage. Et on va essayer de gagner. Hop. Au niveau du graphisme, parce que comme j'y suis, j'essaye de faire deux choses en même temps. Au niveau du graphisme, on remarque que c'est vraiment réaliste. Dans le sens graphisme, dans le sens jeu. C'est beau, les terrains sont fidèles. Hein. Franchement, vous avez plusieurs types de terrains, comme je vous disais. Et tout est bien pensé, les rebonds de balles. Donc là, c'est vrai que ça rebondit bien. On va pas y arriver, je crois. Elle court bien, la femme devant. Elle crie de temps en temps, parce que... Oula. J'en peux plus. Donc voilà, moi je m'amuse à bien lui envoyer de deux côtés. Donc elle vient de reprendre l'avantage. J'ai beau la mettre en difficulté, elle arrive toujours à m'avoir. J'aimerais pas perdre. Voilà, magnifique, un petit ralenti. Et voilà. Donc toujours, on retombe à égalité. Je vais essayer de reprendre l'avantage.
Alors pour celui qui n'était pas à l'avantage, ben il faut qu'il marque un point pour retomber l'égalité, qu'il marque un point pour l'avantage et qu'en plus il marque un point derrière pour gagner. Donc là, ben là, là, il vient de reprendre l'avantage. Voilà, elle m'a fait une balle, elle m'a fait un cadeau. Hein. Sauf que moi je la fais retomber en égalité. Encore une fois. Allez. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. C'est ça que ça devient très long à... Ça devient même chiant un match qui dure trop longtemps. Voilà, bah là, elle me l'a envoyé carrément de l'autre côté. Elle a bien fait et j'ai rien pu faire. Allez, un petit smash. Elle me donne des balles gentilles là. Ah non. Hop là. Magnifique. Donc on retourne à égalité. Je vais essayer. Ça commence un peu à durer. Voilà, donc là, une jolie frappe. Hop, elle a pas récupéré. Allez, si je marque le prochain point, j'ai gagné. Je sais pas si je vais y arriver. Allez, je te mets en difficulté. Et non, on retombe en égalité. Ça, on va le faire une dernière fois et puis si j'arrive pas à gagner, on arrêtera là. On va pas faire durer trop longtemps la vidéo, parce que ça peut durer très longtemps. Hop là, elle est tombée à terre. Donc elle pouvait pas récupérer celle-là. Donc je reprends l'avantage. Allez, la belle. Balle de match. Allez, allez, allez. On y croit cette fois-ci. Et on va lui marquer. Elle va rien comprendre. Allez, et voilà, ça y est, j'ai gagné. Je set et match pour moi. Donc voilà, Gaël mon fils a gagné. Donc voilà, pour Virtua Tennis, vous voyez quand même, c'est quand même bien intéressant pour ceux qui aiment le tennis, même pour ceux qui aiment pas. C'est vraiment un bon jeu, je le conseille. Franchement, il est bien. Donc voilà, victoire. Et puis à la fin, il nous montre un petit récapitulatif. Donc voilà, ce sera tout pour Virtua Tennis 4. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.